Ok, salut tout le monde et bienvenue ce soir sur Age of Empires 2 Definitive Edition. Ce soir, je vous retrouve pour une nouvelle mission du DLC Vainqueur et Vaincu. La dernière fois, on avait terminé la mission de l'an 1000 avec. Comment il s'appelait? Karl Sefni. On avait réussi à finir cette mission, à finir au bout du monde avec les Vikings dans les îles Féroé, au Groenland et en Amérique du Nord. Et j'ai une icône de joyeux anniversaire d'affiliation. Joyeux anniversaire, merci. Du coup, sur cette session, on va avancer de 80 ans, 81 ans, pardon, avec Alexis Ier Comnène, entre 1081 et 1118. Ébranlé par sa défaite à la bataille de Manzikert, qui fait écho à l'une des batailles historiques du jeu de base, donc à Manzikert avec les Turcs, l'Empire romain est en proie à des luttes de pouvoirs internes, des rébellions et des invasions étrangères. Au cœur de ce chaos, Alexis Ier Comnène décide de s'emparer du trône et de restaurer la gloire de l'Empire. S'élèvera-t-il au rang de nouvel Auguste ou sera-t-il que l'énième dirigeant raté d'un empire mourant? Dans ce scénario, vous incarnez les Byzantins. Et pour ce scénario, il y a un successeur. Il paye pas de mine comme ça, mais prudence. Du pain et du cirque. Vous avez soutenu l'équipe de chars victorieuse dans Comnène en 1080. C'est parti pour scène, oui, les difficultés 3, ça veut tout dire. Alexis Ier Comnène devait se douter qu'il allait mourir. L'empereur l'avait envoyé pour tuer l'usurpateur Mélicène. Alexis n'aurait pas hésité un instant, si ce n'était que l'usurpateur était marié avec sa sœur. Refusant de tuer un membre de sa famille, il choisit de désobéir à l'empereur. Il était maintenant convoqué à la cour impériale. Assurément, Alexis allait confronter sa propre mort. Mais aussi, beaucoup le soutiendraient à Constantinople. Alexis avait entendu les murmures dans le marché et la salle du Sénat. L'empereur était un vieil homme fragile, qui ne pouvait que regarder l'Empire être consumé par la guerre et la rébellion. Il gardait le pouvoir en inspirant la peur avec sa garde varègue de Vikings. Sans aucun doute, des complots se tramaient pour le détrôner. Alors qu'il allait voir l'empereur, Alexis savait qu'il était temps d'agir de manière décisive. Merci Momon, salut à toi, j'espère que tu vas bien, tu arrives tout pile pour le départ de la mission avec Alexis Comnène, premier. On va essayer de sauver un empire. On va faire le maximum. Rendre compte à l'empereur, Alexis doit survivre. Alexis Ier Comnène commence sa carrière à Constantinople en tant que stratège au service de l'empereur Nicéphore III, Botaniates. Une grande partie de l'Empire a été conquise par les populations rivales ou est passée sous le contrôle de groupes rebelles. À l'est de Constantinople, l'Anatolie contrôlée par les Seldjoukides. Ce sont des redoutables cavaliers qui incarnent lancier des steppes, keshik et archers de cavalerie. Lors de la conquête des terres arabes et perses, les Seldjoukides ont appris qu'il est souvent avantageux d'être lourdement armés et bien équipés. Les Turcs préfèrent attirer les Byzantins sur la steppe ouverte plutôt que de les affronter directement. À l'ouest, l'Italie contrôlée par les Normands, bien que leurs armées comprennent des fantassins, leurs chevaliers sont leurs meilleurs atouts. Même les cataphractes byzantins sont incapables de résister à la chair de la carrière normande. Les Fatimides ont joué une raid sur la ville de Tripoli au sud-est, une étape importante vers le chemin des pèlerins vers Jérusalem. Leur califat est en proie à une guerre civile. Ils ne peuvent pas entreprendre d'invasion très agressive. Leur ville est cependant bien défendue par des unités d'infanterie et des Mamelouks. Au nord-ouest, le Danube marque la frontière romaine. Sur les steppes au-delà de la rivière vivent les nomades Pechenegs en orange qui incarnent des Tarkans et des Kipchaks. Bien que des barricades placées sur la région maintiennent les Pechenegs à distance, une migration massive de ce peuple mènera rapidement ces peuples vers la terre byzantine. Divers rebelles ont pris le contrôle de plusieurs villes et îles grecques au bout de quelques villes côtières d'Anatolie d'Italie. Vaincre ces rebelles rétablira le contrôle de l'Empire sur ces villes. Si la légitimité de l'empereur décline, des prétendants en bleu revendiqueront le coin. Ses rivaux commanderont des armées similaires à celles des Byzantins, composées de légionnaires, de cataphractes et d'outils de siège. En tant qu'empereur, vous touchez un impôt en or à chaque printemps. Vous pouvez échanger cet or contre des ressources au marché. Conquérez les villes ennemies pour commenter les recettes de l'impôt. Pour prendre une ville, tuez toutes les unités qui occupent la ville. Les ouvriers chargés de construire les défenses et de réparer les navires peuvent être formés au marché. Cependant, les villageois ne peuvent pas rassembler de ressources. L'arborescence des technologies des Byzantins a été modifiée. Les légionnaires impériaux peuvent être formés à la caserne et les varègues peuvent être recrutés à l'édifice.
Vous n'avez ni accès au chameau ni au chevalier. Oh, dame. Les chameaux, ça va être chiant, ça. Trois personnages importants vous proposeront des objectifs. Eunuque, stratège et patriarche. Chacun représente ses propres intérêts, état, armée et église. Mais ils vous aideront à renforcer l'empire. Faites attention à votre légitimité sur une échelle de 0 à 100. Si elle tombe en dessous de 50, vous aurez des rebelles. Vous perdez de la légitimité lorsque vos soldats sont tués, vos bâtiments rasés ou que vous êtes blessés. Vous pouvez restaurer votre légitimité en remplissant les outils de l'eunuque ou en amadouant la population en organisant des courses de chars à l'amphithéâtre. Notez cependant que le coût des courses augmentera à chaque fois que vous y aurez recours. Il y a quatre équipes de courses de chars à Constantinople, bleu, vert, rouge et bleu. Si vous soutenez l'équipe gagnante, vous recevrez un bonus de légitimité supplémentaire. Remplissez les objectifs du stratège pour conférer des bonus temporaires aux légionnaires et aux cataphractes. Remplissez les objectifs du patriarche pour recevoir des cordes de croisés occidentaux. Croisés occidentaux? Hein, on peut discuter là. Alexis, l'empereur vous appelle. Il n'est pas satisfait de votre refus d'éliminer l'usurpateur Mélicène. Alors. Ces Celtes sont une bande d'ingrats. Je me souviens d'une époque où seuls les vrais Romains parcouraient ces rues. Là, tout ce que je vois, ce sont des étrangers. Oh l'autre, Alexis, le vieux raciste là-haut. Je sais là. Oh. Que vous avez refusé mon ordre de tuer votre beau-frère. Mais j'ai des choses plus importantes à régler. Et je respecte votre loyauté de sang. Des rebelles et des usurpateurs défient mon autorité. Je ne peux faire confiance à mes propres généraux. Je vous donne le pouvoir de lever une armée pour écraser ces rebelles. J'ai confié la paix des soldats à l'un de mes plus fidèles eunuques. Vous le rencontrerez au camp, à l'extérieur des murs. Alexis, trop de temps a passé. Quand est-ce que je vous reverrai? Oh, mon mari vous éloigne de moi. Nous pouvons nous débarrasser de lui. Allez au camp militaire et trouvez l'eunuque. Il vous parlera de nos plans. Qu'est-ce qui va nous sortir le nuque? Alexis, je présume. L'impératrice a un appétit important, quoique capricieux. Si elle vous désire, alors vous devez vous aussi avoir un certain mérite. J'ai utilisé l'or impérial pour soudoyer nos alliés politiques. Mais nous avons besoin d'hommes forts et entraînés. Il y a des rebelles à proximité, mais ils ne m'écoutent pas. Peut-être pourriez-vous les convaincre de nous rejoindre, mais empêcher ces brutes de détruire les murs. Nous sommes des libérateurs, pas des assiégeants. Trouvez comment les faire entrer dans la ville. Ne blessez et ne détruisez que la garnison. Moi? Non, ne vous laissez pas tromper par cette armure. Ils sont les gus, je ne suis pas un combattant. Je joue mieux mes cartes à la cour. Ah, c'est le garçon de Jean Comnène. J'ai combattu aux côtés de votre père pour aider votre oncle à prendre le On a trône. 10 minutes, moins 9 minutes, ok. C'est triste de voir quel genre d'homme se trouve maintenant ici. Je vous aiderai, Alexis Comnène, car je fais confiance à votre famille. Mais ne nous entraînez pas dans des guerres sans espoir. Nous avons perdu bien trop de fils face aux Turcs et aux Normands. Je ne suis point stratège, mais vous avez sûrement assez d'hommes pour affronter ceux de l'empereur. Maintenant, cherchez une entrée dans la ville, et surtout... Ne détruisez rien. Oui. Va vers le moulin. Bon, là, il n'y a pas le temps, tant pis. Je pense qu'on peut y aller avec ce groupe-là. Hein. Et puis on perd des hommes de... J'ai fait faire une connerie déjà. Des rebelles sont entrés dans la ville. Sonnez l'alerte! Garde! Arrêtez-les! Nicéphore, votre heure est venue. Renoncez au pouvoir et Alexis sera empereur. Trahi par ma femme et mes amis les plus proches. Laissez-moi en paix et vous n'entendrez plus parler de moi. Ah. Que votre règne soit long, jeune empereur. Mais venons-en au fait. 6 hommes se sont assis sur ce trône ces 25 dernières années. 5 ont été destitués. Faisons notre possible pour vous épargner ce sort. Ça devient être clair. J'ai préparé 2 traités pour que vous puissiez les lire. Je vous recommande vivement de le faire. On a une université ici. Il sera temps de lever une armée et de restaurer l'Empire.
C'est vrai que commencer qu'avec que Constantinople au début, alors. 70 de légitimité. Nos objectifs, vaincre les Turcs Seljoukides, vaincre les Normands, avoir un niveau de 90 de légitimité ou plus. C'est pas trop demandé. Impero. Ah, il y a des enculés là. Les Varèges sont de redoutables guerriers, mais surtout, ils vous servent de garde du corps impérial. En recruter d'autres renforcera votre légitimité. Mais passez outre leur puanteur. Voilà, quelques unités en moins, on va s'échauffer un peu comme ça, tranquille. Alors je vois qu'on a des ressources, alors je vais commencer par enregistrer, je vais faire... Anatolie n'a pas fait de rapport depuis un certain temps. Alors c'est l'équipe rouge, on a dit. Je vous suggère d'envoyer une armée... Attends, équipe de char blanc, bon. On va tous les faire, hein. Empereur, votre commandant au nord-ouest de l'Anatolie n'a pas fait de rapport depuis un certain voilà, temps. Voilà, on a le succès. Je vous suggère d'envoyer une armée à travers le détroit pour chercher son corps. On l'a eu, c'est le plus important. Dépenser de l'or dans du pain et des jeux est toujours un bon moyen d'affirmer sa légitimité. Mais si vous soutenez publiquement l'équipe gagnante lors de la course de chars, vous deviendrez encore plus populaire. Les chevaux de l'équipe bleue ont pris peur et se sont écrasés sur le char rouge, permettant au char blanc de remporter une victoire facile. Le public salue le sage jugement de l'empereur. Alors, je sais pas ce que je vais former. Je peux former des archers de cave ou des archers de base. Alors, je vais déjà améliorer mes troupes. Je sais pas si ça va prendre en compte pour ces troupes-là déjà. On va nous demander aussi 20 Vareg à un moment. On essaie de faire le maximum d'objectifs sur cette map. Bon, on va voir est-ce que ça a pris en compte ou pas. Non. Et les archers là. Non. Donc, c'est pas grave. Je vais jouer sur les archers de cave un peu. Je peux en faire combien là? Je peux déjà en faire 5. J'ai commencé par 6 archers de cave. On a quelques légionnaires dans le coin. Histoire qu'on ait des troupes un peu plus fraîches. Je vais faire aussi l'élevage. Les archers de cave, ça va être important, ça. Bon, on me dirait l'archer de cave, ça serait plus du côté de l'Orient. Hein. Enfin, c'est plus du côté de l'Orient, c'est normal. Mais bon. Je pense qu'on voit une petite force d'archer de cave pour commencer. Que le Seigneur Christ vous bénisse, vous et votre règne, empereur Alexis. Je viens avec une suggestion. Si nous parvenons à trouver et à sauver des reliques sacrées des païens, le monde chrétien reconnaîtra notre piété. Je vais faire des navires d'incendie aussi. Ça va être important, ça. Je pense qu'à mon avis, il y aura une partie maritime sur cette carte, vu que là, on a Constantinople, ce qui serait tout à fait cohérent. Oh, ça, c'est bien, ça. Feu grégeois. Ein, ago. Ein, ein. Presto. On a des baies, mais on peut même pas récolter de ressources. C'est quand même un scandale, messieurs, dames. Bon, là, mon navire est sorti. C'est con, il manque pas grand-chose en plus. Hein. J'aurais un point de portée, là. Là. Ouais, ouais, je sais, mon... Mais je suis en train de regrouper 5-6 archers de cave déjà pour me mettre une petite force. Je vais essayer de bait mes adversaires au fur et à mesure avec la cavalerie, avec le nu qui est comme naine. Je vais peut-être développer un peu ça. Donc sachant qu'avec l'écurie on peut avoir que la cavalerie légère, bon on va pas aller loin avec ça mais bon. De toute façon, il faudra acheter le plus de tech possible ici.
Ah, bon, on récupère des impôts, c'est pas trop tôt. Bon, déjà. Ça. Ça va être marrant. Alors, j'aime pas quand tu me dis ça, Momon. Ça va être marrant. Monsieur, vous me faites peur là. Je vais me faire trois autres archers de cave là. Je pense qu'on a de l'impôt toutes les 5 minutes à peu près. Empereur, les Normands de Robert Guiscard menacent notre flanc ouest. Nous devrions rapidement rejoindre Dyrrachium et vaincre leurs armées d'invasion. Ok, je détruis le camp normand. Bon, on a du piquer là. Bon, les piquets seront notre meilleure arme pour contrer les autres gus. Ok, bon, on va déjà 9 archers de cavalerie. C'est bien, ils sont siciliens. Ouais, c'est bien. Je te rappelle, tu veux que je te rappelle les techs des siciliens, Momon, où ça ira avec la cavalerie blindée, là, avec l'armure en plus. En attendant, on a tout ce qu'il faut quasiment. Bon, on va y aller. Hein. Pourquoi je. Oh putain. D'accord. On va faire attention. Attention. Voilà. C'est des combattants de corps à corps, ça va. On a Lona, alors. Il est pété. Et je vais envoyer tout de suite mes légionnaires péter cette tour. Normalement, il n'y a plus rien. Normalement. Non, il n'y a plus rien, effectivement. En plus, c'est. Ah, c'est une tour byzantine, sinon c'est pas drôle. Donc, il va falloir qu'on reprenne d'autres villes, si je comprends bien. Alors, je me demande si le fait qu'on ne possède pas d'Irakium là directement, ça va pas être un bonus. Hop. On a un problème ici. Légionnaires impériaux. On peut les former à la caserne, de ce que j'ai cru comprendre. Est-ce qu'on a une caserne à Constantinople? J'ai pas l'impression. Allez, tabassez-moi tout cette tour. Bon, on va repartir avec nos quelques archers de cave là, améliorés, qui sont un petit peu en forme. Je vais partir avec le prêtre aussi. Le nuque, je vais m'en servir pour explorer un petit peu. C'est quoi comme ville ici? Oh putain, ok. Ça pue. Voilà. C'est pas Tessa. Je crois que si c'est la cité de Thessalonique. Hein. Allez mon père là, le raciste anti-celte là. On se bouge. Ok. Alors attends, ils viennent pourquoi là? Oh là là. Mais attends, je peux convertir les cavaliers. Ils sont vulnérables au moins, logiquement. Bien joué. Voilà.
On trouve des solutions. Alors, on a récupéré de l'or, ok. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Bon, on a une... Ah si, bon, on a une caserne, j'ai rien les à dire. Les rudes travailleurs agricoles thraces et les bergers anatoliens font de bons soldats romains. Ce ne sont pas des légions de César, mais ils se battront en rang pour protéger vos archers. Presto. Correctus. Ein sane. Et je vais ouvrir tout de suite un... Je forme un deuxième moine tout de suite en réserve à Constantinople, on sait jamais. Allez, viens là toi. Ein. Si on peut récupérer cette cité, ce serait déjà pas mal. Presto. Bon, lui qui va s'occuper de tout ça là. Je vous ai dit que je ne suis pas un combattant. Je me retire à la cour où je serai plus utile. Et ben voilà. Ein Sane. Bon. Ouais, les impôts là, ça va bien nous aider. Hein. Ah bah voilà, Thessalonique libérée, ça, ça va être utile. Et ça va nous mettre bien. 500 pièces d'or en plus. Ils ont fixé le taux du marché. Oh, ça, ça va nous aider, ça. Bah écoute. Je vais faire des renforts d'archers de cave, moi. J'en formais 3 ici. Je vais faire un deuxième heure d'incendie là. Je me demande si je devrais pas aller faire une petite flotte aussi. Ouais, il y avait la caserne, je l'avais pas vu, bien vu Momon. Sinon, au pire, je remplace les 4 légionnaires là, je vais le faire. Et je pourrais faire un cinquième, bah vas-y. Hein. Là, on continue de renforcer nos forces. Bon, on contrôle 3 villes techniquement. Constantinople, Dyrrachium et Thessalonique ici, au nord de la Macédoine. Donc c'est pas mal. Allez, venez. Les légionnaires arrivent. Il faut qu'on s'occupe des Normands en priorité là. C'est eux qui vont être relous sinon. Bon, déjà, il faudrait que j'améliore encore l'armure de mon infanterie. Ça, ça va être obligatoire. J'améliore mes lanciers en piqué. J'espère que je pourrai les améliorer. Bon, on continue d'attendre. Putain, on va passer par la Bulgarie, je suis sûr. Faut faire la recherche. Impero. Presto. Pourquoi je sens que je vais me taper des Bulgares quand j'ai passé là? C'est curieux, hein. Là, on est sur cette côte-là, donc soit on se tape des Bulgares, et s'il y a le Pechenek, je suis sûr qu'ils sont au nord. C'est l'histoire des Coumans, ça. Les impôts ont été collectés cette année. Allez. Impero.
Ok. Je vais débloquer le piqué ici. Je vais débloquer l'armure de l'infanterie là. Et j'ai encore débloqué l'armure d'archer en cuir là. Qu'est-ce qu'il me reste à faire en tech pour mes archers pour que ce soit optimaux? Il me reste ça. La bague de pouce. Scandale. Oh, les soldats se sont battus au sujet d'une partie de dés et ont accidentellement frappé un sénateur. Ah bah bravo. Vous félicite pas les mecs. Certains se demandent si l'empereur a perdu le contrôle de ses soldats. Vous perdez 5 points de légitimité. Ok, bon, on a les piquets, bonne nouvelle. Je vais en sortir un 12e, comme ça on aura une petite garnison là. Ouais, c'est l'histoire, c'est normal, entre les affrontements entre la Bulgarie et les Romains. Effectivement, l'immigration. Ah bah, oula, 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 oula. Oh merde. Attention ici. Je crois que j'ai chopé le sergent là, bah ça m'arrange. Bien. Ah non, j'ai pas peur, Momon, c'est juste que je suis les rebelles bulgares ont préparé des embuscades dans les cols des Balkans. Chassaient leurs armées pour leur montrer la puissance de Rome. Constantinople, s'il te plaît. Je te rappelle que Rome est aux mains du pape maintenant. Premier, hop. Aïe, aïe, attention. Aïe, aïe, attention. Scandale. Vous avez bu un peu trop de vin lors du dernier banquet. Et les paroles que vous avez prononcées dans cet état se répandent à la cour. Vous perdez 5 points de légitimité. Correctus. Super. Bon, on va avancer tranquillement. C'est bon, il y en a encore d'autres ou pas? Bon, on a réussi à joindre Dirakium, ça c'est la bonne nouvelle. Kaiser a changé, monsieur le sénateur. Il n'y a pas Kaiser qui a changé, hein, bizarrement. Oh merde, ça c'est... Excusez-moi. Le monsieur le sénateur, il a un petit peu changé aussi, hein, monsieur Momon. Il y en a encore. Ouais, je sais, Momon. Mais justement, là j'ai mon accès à Dirakium. Et je vais aller vérifier un truc. Là, on va essayer de dégager vite les Normands du coin. Wow. Ok. Ça va être compliqué. Empereur, de nombreux pèlerins souhaitent rejoindre Jérusalem, mais la route de... Ok, il faut vaincre le calife Fatimide maintenant. Vous devez lancer une croisade pour prendre Tripoli et dégager la voie. Bon, on va tenter de provoquer ces deux avec ces deux-là, mais j'espère qu'ils vont pas être 50 000. Ah, ils vont être nombreux. Ok, c'est des sergents. Après, avec le hit and run, en vrai, il y a moyen de faire quelque chose. Ah bon, on a récupéré un deuxième sergent, c'est magnifique. Voilà, qui viennent. Excellent travail, monsieur. Les Turcs n'attaquent pas nos villes dans le but de les conquérir. Ils cherchent à nous attirer sur la steppe, loin de nos murs, pour pouvoir nous massacrer. Ils ne peuvent pas attaquer à la base. Bon, déjà, on va taper le donjon normand ici pour commencer. Scandale. Un eunuque particulièrement arrogant a pour habitude de frapper ses serviteurs. Un moine de passage a tenté de l'en empêcher, mais l'eunuque l'a frappé lui aussi. Cet incident vous fait perdre 5 points de légitimité. Mais je suis entouré d'incapables.
Au secours. Bon, on va déjà taper ici le donjon normand. On va essayer de détruire le maximum de bâtiments militaires en attendant. Ouais, il est bien placé celui-là, j'avoue. Ah, mais je viens d'avoir de l'or ici. Ok, on va débloquer ça tout de suite, la bague de pouce. Et je pense qu'on va faire quelques béliers. Je vais peut-être rajouter un légionnaire en renfort ici. On va commencer à aller taper un peu le château adverse. Ah bah, bon, ça c'est bien ça à taper, j'approuve. Un atelier de séjour, moi j'ai envie de vous dire, je suis preneur. Très bien. Je sais pas où il y a quelque chose qui nous a frappé. Logiquement, il y a une écurie dans le coin. Et j'ai vu des cavaliers arriver, donc ça m'étonnerait pas qu'il y en ait quoi. Bon, allons vite rejoindre ici. Une fois qu'on aura les deux béliers là, je pense que ça devrait le faire. Voilà, on va calmer un petit peu les assauts normands sur notre empire. Bah tiens. Bon, les piquets, vous allez rejoindre le combat là. Là, il nous faut du renfort. Ils vont faire tomber la caserne, donc c'est peut-être pas très rapide, mais au moins ça, avec le bras zéro, ça devrait faire un petit peu la différence. Là j'ai deux béliers qui se ramènent, ils pourront mettre 6 fantasmes à chacun, donc 6 fois 2, 12, ça va être suffisant. Par contre, ce bélier là, il m'embête. Hein. Et du coup, il nous reste encore combien de succès à faire que je pleure? Il nous en reste encore 8. Bon, demain, il y en aura un autre qu'on fera. Je vais explorer un peu avec les archers de cave s'il n'y a pas d'autres bâtiments. Oh là là. Heureusement, je vous ai dit d'éviter le château, les mecs. Hein. Ah, je suis entouré par des gens compétents ici. Hein. En vrai, je pourrais agrandir mon armée d'archers de cavalerie hein, quand je regarde. Bon, là, je suppose qu'on se dirige vers les Balkans. Ouais. Ce qui s'appelle être pris entre deux feux. Bon, c'est bon, les archers de cave là. Oh, merci. Bon, là, on a éliminé une grosse menace considérable. Et je vais me faire quelques archers de cave en renfort là, je vais en avoir besoin. Dès que je me ferai un ouvrier, comme ça je pourrais réparer mes bateaux. Je vais faire un troisième navire d'incendie rapide. De toute façon, c'est une défense des Byzantins sur le jeu. Et j'essaie de débloquer ça, ce qui fait que les navires d'incendie auront plus un de portée. Et les dromons et les safs ont des dégâts accrus. Ok. Les impôts de cette année ont été collectés. Nous sommes en 1086. Fun fact, on approche tranquillement de la date de départ de Medieval Total War qui démarre en l'an. Ouais, c'est 1087 ou 88. À revérifier.
Donc là, j'ai déjà 4 archers de cavalerie qui sont prêts. Et j'en préparais 4 autres. Ça, j'aurai une belle force de frappe. Mon infanterie, je vais peut-être améliorer aussi mes dégâts mon infanterie. Là, j'en aurai besoin. Et là, je pense que je recommence à avoir une bonne marge d'archer de cavalerie critique. Faire un ouvrier, enfin même deux ici, et je vais rajouter des navires d'incendie rapide. J'ai envie de faire tenter un move. Oh non, vous sortez d'où vous? Bon, ça va, là le gros du truc qui va tomber. Merci les rayons. Vous êtes des génies, littéralement. Attends, il m'en manque un, là. Un prétendant nommé Nicéphore Diogène contrôle l'île de Crète et a conclu une alliance avec un rebelle à Chypre. Prendre ces deux îles renforcera votre légitimité. Ok, pourquoi pas. Montagne vivant comme les nains en limite. Impago, ein, sane. Ein, sane, ago. Allons vite exploser ce château là. Ago. Ein. Histoire de se débarrasser de la pression normande. Ein. Je pense que tu vas devoir Pierre l'ermite, c'est un scandale. Ah, la magnifique petite ref, Momon. Ok. On va couler tout ce qu'on peut déjà avec notre flotte. Bon, il y aura le navire adverse à gérer, mais on se portera, j'ai envie de vous dire. Bon, on est arrivé, la bonne nouvelle. On va envoyer ce cavalier. On va sacrifier les troupes normandes s'il faut. Bien joué. Foncez-moi sur le château. Détruisez-le. Toi de pareil. Avec ce château normand en moins, là, ce sera bien. On aura déjà débloqué une partie de la situation dans le coin. Plus de raids normands. Les piquets, je vais les rapatrier en défense, là. Salve. Presto. Heureusement que vous êtes allé un petit peu trop vite les mecs là. Donc là on a nos piquets qui vont maintenir la zone. Les impôts de cette année ont été collectés, parfait. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Là j'en ai pas besoin. Les Vareks sont des mercenaires du Nord. Ils sont issus d'une culture martiale et ne nécessite donc pas d'entraînement. Seul un peu d'or les ralliera à votre cause. Vous avez sauvé d'Irakium et montré notre détermination au Nord. Oh, les soldats ne l'oublieront pas. Termine l'ulti de 1. Se bat plus intensément pour une courte période. Bon.
Maintenant, on va commencer à préparer la garde Varegl. Logiquement, ils prennent des améliorations aussi, ouais. Les Varegl, j'ai peut-être une idée d'où on va les utiliser. Putain de gardien Anunnak. Ok. Le cavalier là, il va aller péter le nagre. Vas-y toi. Bien joué. Hop, parfait. Deux problèmes de moins. On va essayer de battre les Bulgares là rapidement. Bon, c'est que des objectifs de stratège que je fais là pour l'instant, on est d'accord. Oh, mais on a une relique ici. On va essayer d'aller la choper. Il est où mon prêtre? Il est là. Il y a trois reliques sur cette map. Il y a trois reliques. Là, on en a déjà une. Ici, il me semble que c'est l'île 2B si je dis pas de bêtises. Continue. Ah merde. Salve. Prago. Aïe. Ah, il débarque des troupes. Bon bah écoute, tu sais quoi? Impero. Le Turc, nommé Zakas, revendique votre trône et a levé contre vous une armée de Turcs à Smyrne. Tuez-le avant qu'il ne devienne encore plus dangereux. Ça serait bien de me prévenir. Merci, merci, hein, je vous adore. Moi aussi. Voilà, on a une, un petit groupe d'archers de cave là, c'est pas mal du tout. Oh, mais Varegl ont fait le taf, est-ce qu'il serait génial? Oui, il serait génial en plus. Ça c'est très bien. Je vais me regrouper avec mon groupe là. Pas une autre embuscade de la mort là, s'il te plaît. Ah bah tiens. Voilà. Bon, là au moins on a géré les cas des Bulgares. Je sais qu'il y avait des archers de cave à un moment ici, mais ils sont plus là. On va essayer d'éliminer tous les camps bulgares possibles à l'heure où on parle. Bien. Le Danube marque les frontières de l'Empire. Au-delà de ces barricades vivent de redoutables barbares qui ne pensent qu'à piller et à massacrer. Ok. Bon, on devient la première puissance ici. Les impôts ont été collectés cette année. Ok. Maintenant, j'ai débloqué l'armure de la cavalerie parce qu'on va en avoir besoin, faut pas déconner. Correctus. Je vais tout de suite aller chercher cette première relique. Presto, impero. Il doit rester des Bulgares encore. Hein.
On va avancer là avec notre armée. Bon. Normalement, on a fait le plus dur. Oh lolo. Tu vas me récupérer cette relique. Oh, il y avait une galère encore. Et on va vite mettre ça à l'abri. Mais heureusement que je t'ai dit d'aller. Ok. Je vais pas chercher à comprendre le parfumique du jeu. Bon, c'est une habitude, on va dire. Ok, il y a toujours un casse-couille là, ça c'est toujours agréable. Et attends, l'université, est-ce qu'on a des projectiles enflammés? Non, on les a pas. Je vais faire un tour de garde quand même, ça va être utile. Voilà, amène ta relique. Ça nous génère un petit peu d'or en attendant de trouver les deux autres. Hop, et d'une. C'est pas le film Dune, hein. Je sais que je prends la porte pour cette blague, hein, mais bon. Bon, logiquement. J'ai une vingtaine d'archers de cave là, ouais. Il reste encore des Bulgares peut-être, non? À mon avis, on va partir vers la Grèce, hein, je pense, avec tout ce qu'on a. Dire qu'il en restait. Il reste des Bulgares dans le coin. Alors où est-ce qu'ils pourraient être? Moi, ils sont tous éliminés dans le nord ici. Bon, on va faire un petit peu de pierre. Pero... Salut Sodan, au nord du Danube, il y a sûrement ce qu'on appelle les Petcheneg, qui sont des tribus du nord, donc de la, on va dire la Dacie, la Hongrie, hein. Et il y a des barricades, donc pour moi je peux pas y accéder, à moins qu'en contournant par là, et je peux même pas contourner par la mer, puisque ben... Les impôts, oh punaise, oh bah alors là, les impôts, ça, je vais me faire, ça va être ma fête. Voilà. Donc là, niveau pognon, je me mets bien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Dévotion, ça sera utile. J'ai de faire ma tech unique là, avec pour les, le feu grégeois. Pressane. Bon. Pour le moment, je peux pas y accéder, donc moi mon attention va se tourner vers le sud, vers la Grèce. Et j'ai des gardes varegs à faire aussi, tiens. Pour l'eunuque. Et ça va me faire des points de légitimité en plus. Donc, on va essayer de maximiser ça.
notre galère d'incendie de base, elle a un point de portée en plus, ça c'est toujours utile. Je vais essayer de nettoyer un petit peu avec mes quelques navires là. Bon, j'ai aussi une tour défensive là, je l'ai faite, mais c'est pas pour rien. Il faut que je continue d'avoir des villes. Bon, le bélier, tant pis, on va repartir avec ça. Je vais rajouter un légionnaire en renfort. Où est-ce qu'il pourrait être? Ah, il est là. Légionnaire impérial. Ensuite, je vais renforcer encore l'armure de mes cavaliers. Bon, au moment, j'ai que Alexis comme naine. Bon, c'est toujours ça de prix. Bon. Il va falloir qu'on aille en Crète à un moment, ça je l'ai bien compris. J'essaie d'avancer un petit peu ici vers les côtes, s'il y a d'autres navires qui se pointent. Je sais que j'avais eu des galères là. Et là, je vais avancer avec mes archers de cave. J'en ai une petite vingtaine, c'est pas inutile. Bien sûr, on se met en route avec notre armée. Et on essaie de recruter à terme le plus de variés possible. Bon, les trois caves légères, là, elles se sont vite fait disperser. Ciao, bye bye. Voilà. En vrai, je pourrais être encore plus meurtrier là, mais avec une trentaine, je pense. Voilà. Hiver 1089. On va continuer de nettoyer un petit peu les campagnes en Grèce. Il y a beaucoup trop de vermine à mon goût. Ose me dire qu'il y a encore des Bulgares là-dedans. Non, y a rien là, mais je vais quand même surveiller, on sait jamais. Il pourrait foutre des unités à la con. Ah bah tiens. Bah tiens, je vous cherchais vous. Bonjour. Je tue en priorité les cavaliers. Comme ça ils vont revenir en forme de fantassin. Je pourrais vite les dégommer. C'est... Ah bah on a plus de Bulgares dans les Balkans. Magnifique. Une menace en moins. En plus, on récupère les impôts. Ok. Là, on a fait un petit carnage, c'est bien. On est en train de pousser vers la Grèce au sud. Nous, on continuera d'avoir d'impôts, mais on se portera. Putain, c'est devenu. C'est plus ce que c'était la Grèce, hein.
Bon, évidemment, on va avoir plus de mal sur le siège de certaines villes, hein, je suis d'accord. Bienvenue à Athènes, messieurs, dames, enfin ce qui reste d'Athènes. À mon avis, il doit y avoir une ville au sud, ça doit être Sparte, je pense. Sparte ou Corinthe. Ils sont obligés. Pour moi, ils ont dû mettre une grosse ville là. Voilà. Paf. Ok. Il y a déjà des choses à faire là. Reculer. Presto. Aen Ago. Le problème qu'on a avec le scénario là, c'est qu'on n'a pas forcément de cavalerie de mêlée à part la cave légère. Mais j'ai peur que ce soit découpé en fait, c'est ça qui m'embête. Bon. Ici c'est fait. J'ai juste tout de suite envoyé les archers de cave pour voir s'il n'y a pas autre chose. Mais on a repéré une tour déjà, mais on a mis je pense une bonne partie des forces ici. Il y a une ville hein. Voilà. Envoyer les légions ici. On va reculer. J'ai aussi deux sergents que je vais envoyer en support. Deux Regenas normands. Bon, en plus, c'est eux qui prennent les tirs. Donc, ça arrange mes affaires. C'est des tanks sur pattes. Donc, comme j'ai fait le succès pour ceux qui n'ont pas vu, rechargez votre save et ça, au moins, vous avez au premier tour. Enfin, dès que vous avez les premiers impôts, rechargez votre save. Ça vous coûte que 400. Ok, on va avancer. Bon, faut arrêter les bugs là de navire, vraiment. Ici, on a un port. En vrai, on pourrait aller s'occuper des Normands rapidement hein, aussi. Allez, paf, ça c'est fait. On va avancer. Impero. Alors, est-ce qu'il reste d'autres unités par curiosité? Ouais, il faudra beaucoup de transport, au moins 3-4 faciles, mon man. Je suis d'accord. Il n'y a plus rien. Allez, légionnaire, en avant-marche. Il me semble qu'il y a un objectif bonus en plus avec le patriarche, non? Non? Il n'y en a pas? Ok, je pensais. Je me souviens qu'il y avait un outil bonus spécial avec des moines à un moment. Il est peut-être pas encore là. Hein. Alors là, ils vont s'occuper de la tour tranquillement. Ok, les impôts sont tombés. Bon, on a de l'or, ça c'est bien. Voilà. On a bien équilibré nos ressources. Je vais faire la cave légère, même si je suis pas emballé, soit. Mais on dirait que sur ce scénario, on peut aller à l'âge impérial. Vos conquêtes vous ont apporté la gloire. Ah. Et l'administration impériale fait encore défaut. L'améliorer aura un certain coût. Mais les récompenses en valent sans doute la peine. Bon allez, vas-y. On passe à l'âge impérial, on se pose pas de questions là. Il est temps de steamroll, de rouler sur tout le monde là. L'heure est venue de rendre sa puissance à Constantinople.
Ah putain, ils vont revenir encore emmerder le monde. Presto. Presto. Bon, on a encore des choses à faire. Hein, pour notre légitimité. Bon, ici la Grèce, on a fini. On va pas se poser de questions, on va aller chercher directement. On va aller chercher directement les Normands. Et je vais attendre avant de partir là. C'est vrai, je pourrais continuer de recruter de la garde Vareg ici. Hein. J'ai déjà recruté 6. Ça peut donner un bonus de légitimité à terme, pourquoi pas. Il faudrait que je les envoie un peu se battre aussi, je pense. Les hommes à la frontière du Danube affirment que les Pechenegs se préparent à attaquer notre armée. Nous devrions envoyer une armée protéger notre flanc nord-ouest de ces païens. Ils arrivent quand les Pechenegs? Ces améliorations de l'administration impériale aideront également l'armée. Vous pouvez désormais former des légionnaires plus rapidement. Terminer la tâche de nuque, améliore votre légitimité. Parfait. Parfait, parfait. J'ai débloqué aussi la conscription comme ça. Ça va augmenter la vitesse de production de mes unités. Ça, on le fera tout. Ça, dès qu'on peut, on le fait. Archer de cavalerie lourde, ça va être décisif. Hein. J'ai débloqué la galère de guerre aussi pour améliorer ça en navire d'incendie rapide. D'incendie puis navire d'incendie rapide. Ça va être très important. Je peux faire le brassard, oui. À l'université, qu'est-ce qu'on peut faire? Chimie, ça va être important. On a plein de choses à faire, les mecs, hein, en défense. Presto. Ok. Impero Ein. Ah, là on passe aux choses sérieuses là. On peut même avoir accès au Dromon, ça peut avoir son utilité aussi à terme. Hein. Le Nord n'est qu'une immense steppe d'où jaillissent des vagues ininterrompues de cavaliers. Nous ne pouvons retarder cette marée qu'en construisant des murailles fortifiées le long du Danube. Ok, ok, d'accord. On va débloquer ça pour le brassard. Et merde. Pour vous qui ne pètent pas les barricades, non. Ok, je sais ce qu'on va faire. On va murer. Condo. 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 On sait qu'il y a un autre pont là-bas. On va essayer de pas trop traîner, quoi. Ok. Il faut que je passe à Archer de Kergo. Allez. Ça, ça va être important. Je
faire deux navires d'incendie en défense ici. Il va me falloir assembler. Je vais essayer d'assembler quelques autres archers de cave en renfort. Une fois qu'on a les archers de cave à la rigueur, là ça a commencé à déboîter un peu plus. Ouais, on est déjà à 7 plus 3. Hein. J'ai pas encore la chimie, j'ai pas encore l'armure à fond. Bon, j'ai pas la cavalerie technique de Calais Part, mais c'est pas grave. Tiens, tiens. Ah, ils sont chiants. C'est pas possible. Hein. Dans des mangonos. On vient là. Comme Nen, il va arriver dans le dos. Ok, excellent. Je vais acheter un peu de pierre là. Salve. Sane. Quando. 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 Les Pecheneg arrivent par le Danube. Ils seront bientôt aux portes de Constantinople. Ah putain, c'est des Tarkans. Oh merde. Sane. Pero. Quando. Vite. Oh le carnage. Ils ont beaucoup de Kipchak, ceci dit. Ils sont nombreux les cons. Impero. Scandale. Votre frère a mis l'une de ses servantes enceinte. Puisque ce scandale touche votre famille, vous perdez 10 points de légitimité. Bon, ça va non plus. Nous avons repoussé les nomades de l'autre côté du Danube. De nombreux Romains sont morts, mais les soldats survivants raconteront à leurs petits-enfants comment, ce jour-là, ils ont sauvé Constantinople. Ah ouais, et après il s'étonne qu'il y a, comme s'il avait déjà passé d'emmerde dans l'Empire avec ses conneries, bah... Oula. Ok, on l'a eu. Très bien. Bon. Ein. On a perdu un petit peu de soldats quand même. Déjà, j'ai débloqué l'armure. Je vais faire des archers de cave en renfort ici. Un autre moine qui sera tout neuf. Et là, il faudrait que j'essaie de trouver un. Alors, lui ou ma flotte au feu. Voilà.
Mais là, il faut que je m'occupe des Normands, là. Il faut que je termine les Normands en priorité. Comme ça, j'aurai tout le front ouest libre. La garde Varag, elle va garder la ville. Ouais, là, on commence à avoir des bons archers de cave, là. On va pas déconner non plus. On peut pas mûrir les jeunes impériaux, je suppose. Non, ils sont déjà à fond. Excusez-moi, je reprends juste un message. Ok, bon, pour le moment, on surveille, il n'y a pas de problème. Enfuir. Ouais, non, il faut que je m'occupe des Normands. Là, ça va être la priorité absolue. Salve. Par contre, il va me falloir des transports là. J'ai déjà en préparé 3 pour démarrer. Il me faudra encore de l'or ici. Prochaine vague d'impôts, je vais faire ça. Je vais essayer d'établir une base en Italie, mais il me faudra des béliers aussi. Déjà on s'occupera des Normands, ce sera pas mal, et après on essaiera de récupérer les îles aussi pour se mettre bien. Ok, cherchons des ports siciliens pour calmer les incursions. Ok, ils sont bien gardés. Il va nous falloir des drones. Je vais déjà en faire 2 pour démarrer. Carénage sera pas de refus. Ah non, il nous faut des dromons pour mettre à terre les dromons normands là. Si je veux avoir mes chances là, j'ai pas le choix. À mon avis, les reliques elles doivent être en Turquie ou au Moyen-Orient, ça serait cohérent, les deux dernières. J'enverrais bien une en Turquie, la dernière du côté de Tripoli. Ça me choquerait pas perso. C'est pas la cité de Naples ici, Bari. Allez-y. Je pense qu'on est, c'est soit Bari ou Naples ici.
vu le château, j'opterais pour peut-être Barry. Ou Tarente. Bah, un des deux, une des trois. À quoi que Nap, non, c'est de l'autre côté, ça collerait pas. Donc Barry ou Tarente. Attention. Ah. Ouais, les zoos, le transport, dégage. Donc là, on va essayer de raser les ports normands. Ça me coûte 1000 de nourriture et 300 d'or. Bon, bah. Ok, hein. Barry est plus haut, ok. Voilà. Oh lolo. Nous avons été séparés de nos frères à l'ouest. Nous pourrions nous réconcilier dans la foi en envoyant une délégation à notre patriarche à Rome. Vous, là, vous allez me raser château fils. Si on rase ce château, on se met bien là. Presto. Ein Sane. Impero. Presto. Ago. Impero. Presto. Sane. Correctus. Ein. Ein. Sane. Hey. Une fois que le château sera tombé, ça devrait aller, je pense. Rasez-moi cet atelier de siège, vous. Ah, j'ai perdu pas mal d'archers de cave. Hein. Ok, il m'en reste encore des coups de réserve. Hein. Allez. Calmer le jeu là, avec les gros mots, on a fait le nettoyage. Là. Par contre, je vais renforcer l'armure de mon infanterie. La chimie, ça va être important. J'envoie combien de prêtres? 3 prêtres là-bas, ok. Ok, la côte de maille à fond, c'est bien. J'espère que le camp normand est vaincu là logiquement. Dans le doute les Dromons vont aider à finir ici les Normands.
Aen Sane. Ok, il reste encore des Normands, d'accord. Vous êtes bande de salauds. Il y a un bélier là-bas, d'accord. Ah, il y a un donjon normand. Ok, je comprends mieux. Par contre, je vais peut-être chercher un... Alors, il me demande combien de prêtres ? Il me demande 3 prêtres rendus visibles au pas. Ok. Ok. Alors, si Saint-Tel pape veut voir des moines, bah, on va lui en faire 3 de plus. Ici, je vais rajouter 4 gardes varais, comme ça on en aura déjà 14 ici. Bon. Donc on va envoyer nos légions déjà, on va voir un peu ton coup déjà. Voilà nos archers de cave, logiquement vont les balayer. Ok, très bien. Je vais avancer là-bas avec mes archers de cave. J'ai mes prêtres qui arrivent. On va sécuriser cette route. Il y a un bélier qui s'est paumé, tu sais pas pourquoi. Voilà. Ici, c'est sécurisé. Le prêtre va venir là. Là, je vais voir s'il n'y a pas d'autre chose. On a 1h24 de temps de stream. On va terminer le scénario ce soir. Ok, d'accord. Voilà. Presto, sale, però. Allez, on va semer un peu de bazar là-dedans. Attention ici. On va reculer. Ah, il y a une contre-attaque ici. Ok. Voilà. Je pense que je vais faire un peu de light cave en réserve, on sait jamais. Pugno. Presto. Aen. Presto. Porro. Impero. Presto. Pugno. Aen. Voilà, ça c'est fait aussi. Impero. En avant toutes les légions.
Le peuple respecte et craint votre garde du corps. Réduisons les chances de rébellion. Il ne nous manque que du parfum pour nous débarrasser de cette puanteur Varek. Toujours aussi sympa le... Ah, toi. Faut vite pas trop traîner là sur cette tour. Ok, on va reculer. Les loulous, vous... enfin, vous allez aller par là, vous trois là. Donc on embarquera toute notre armée. Comme marque de notre réconciliation, le pape nous promet des croisés des terres franques et germaniques. Scandale. Selon la rumeur, votre femme vous tromperait avec un célèbre stratège. Bien que certainement sans fondement, ce scandale vous fait perdre 10 points de légitimité. Ah merde. Ça c'est con, hein. On va faire gaffe ici au port de Bari, mais on a encore des Normands à aller chercher. Ils sont là. Et on pourra envoyer les sacrifiés là, les croisés. Alors attends, qu'est-ce qu'il nous reste à faire en armée? Il me reste l'armure de la cave. Allez, let's go, hein. Eh, on va tenter le coup, ça serait drôle. Si on récupère l'une des îles rien qu'avec les croisés, on se mettrait pas mal. Ben alors. Attention aux chevaliers. Qu'est-ce qu'ils m'ont converti les sacs? Bon bah ils vont faire du dégât. Allez Barry, tu vois moi je l'avais dit. Je sentais que c'était Barry. Voilà. Là en vrai, on va terminer normalement, là ça va être une bonne nouvelle. Et après on s'occupera. Oh attends, ils sont où tous mes archers de cave là? Crête libérée, ouais. Bon. Il ne reste plus qu'à aller chercher Chypre le plus vite possible plus tard et c'est gagné. Ah bah ça, ils sont dans la race de mon contingent, j'ai eu peur. Presto.
Ok. On a 10 légionnaires encore, on va essayer de terminer ce qui reste au sud. Dis-moi qu'il n'y a plus rien, s'il te plaît, un moment. Ok, non, il reste que l'écurie là. Puis on va soigner nos hommes là. 8 chevaliers croisés. Pas de tonique. Les chevaliers normands ne font pas de poids face à nos soldats romains disciplinés. Nous les avons chassés d'Italie. Excellente nouvelle. Là, avec ma flotte, je vais faire une petite jonction. Donc la première étape, c'est fait. Maintenant, il nous reste encore des Turcs à aller chercher. Ça va pas être de la tarte, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a accès aux trèbles sur scénario? On a accès aux trèbles, ça peut être utile. Eh, attends. J'ai cru que le constructeur, il y avait un bug comme quoi on pouvait réparer. Mais tu sais quoi, on va réparer un petit peu le coin. Bon. Là, le ridicule, ça tue. Ok, très bien. Voilà, on va réparer ça ici. Ce transport-là, il va plus servir. Pourquoi je dépense du bois dans le vent, tu vas me dire. Ok, des nouveaux impôts. Les techs ici sont faites. Qu'est-ce qu'on pourra encore faire comme truc? Ça va être important pour nos moines. À l'université, il y a des choses sympas, je pense. Il y a déjà la grue à poulies. Le donjon. Mettre en route avec mes deux dromons et mes 6 galères d'incendie là. Ok, joli. On va essayer d'anéantir toute leur défense là. Bien joué. Ok, attention ici. Je vais tenter un bombardement ici. Bien joué.
Bien joué, le prêtre en moins, là, ça, c'est toujours utile. Voilà, bien joué. Et là, avec cette tour centrale, je vais essayer de la péter à distance. Et ensuite, j'enverrai mes contingents de croisés, là, récupérer ces îles pour nous. Oh putain, vous vous êtes trompé de cible, les mecs. Vraiment. Et vous, là, les deux navires, vous allez accoster. Et logiquement, la crête, ça devrait être à nous. Pendant ce temps, nos navires arrivent. Là, c'est une bonne nouvelle. Les croisés vont débarquer. On va les laisser faire un peu mumuse là sur l'île. Les 8 cavaliers croisés là, ça peut faire très très mal. Hein. S'ils font comme il faut. Ah, ils tombent bien en plus. Hein. En même temps, ils ont toutes les up à améliorer. Donc il risque pas grand chose. Pour ceux qui me font peur, c'est les teutoniques un peu. Ben voilà. Nicéphore Diogène pensait qu'il serait empereur. Il terminera désormais ses jours non-voyants et en exil. Le peuple reconnaît votre victoire. Ok, excellente nouvelle là. Impérant. Ok, donc on a récupéré les îles, c'est pas mal du tout. On va essayer vite d'éliminer Zaka si on sera tranquille, je pense. Bon, avec notre armée de croisés ici, hein. Bon, ok. On peut peut-être faire le taf, tu me diras. On peut affaiblir les défenses. Alors lui, c'est quoi c'est... Ouais, mais j'ai tellement d'or, mais... Prends l'argent. Je refais une flotte et au pire on va aller chercher Zakas et après on essaie de trouver les autres lycos aussi, c'est vrai ça. Presto, Ein. Sane. Presane. Ein. Impero sane. Ein. Presto. Ein. Ok. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Et je pense qu'après on ira chercher les Turcs et les Joukides. Hein. Oh, joli coup ça. Ah, une autre relique.
Alors, je continue d'explorer les côtes, on sait jamais s'il y a d'autres navires qui attendent là, d'accord. Voilà. Une deuxième relique ici. Va trouver le camp en premier, les turcs viendront vers toi. Le camp, il est au nord-ouest. Bon, déjà, je vais éliminer ce qu'il y a là. Comme ça. Sur le remont ici. J'essaie de provoquer avec cette tour. Le camp, il est là, je pense. Bon, là, mon armée, il y a quoi? Il y a de l'archer de cave. Il y a de l'archer de cave. Bon. Cette tour-là, elle va tomber, logiquement. Premier Mangono qui tombe. Deuxième qui tombe ici. Malgré mes efforts pour affirmer votre légitimité, il semblerait qu'un général un peu ambitieux veuille s'emparer de votre trône pour assouvir ses propres desseins. Une rébellion se fomente, je le sens. Je vais essayer de débloquer les archers rapidement là. On va surveiller ça, de toute façon on n'a pas le choix là. Au pire nos transports, on va les faire regagner Constantinople. Je peux passer au fantassin arc ou pas ici? Ouais, et je vais faire des archers à pied maintenant. Déjà une quinzaine pour défendre la ville. Ah putain, c'est mon armée, attention. Évidemment, t'as toujours un navire qui traîne, tu sais pas pourquoi. Vite, 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 parle à vous. A impero. Ce qui nous attend là, j'ai un peu la trouille. Un prétendant qui se déclare empereur déchu de longue date est apparu. Beaucoup de nobles et de soldats mécontents le soutiennent. Nous avons une guerre civile sur les bras. Ah bah bravo. Il y a quoi là-dedans? Du cataphracte. Ok, d'accord, d'accord. Ah, si ils s'entretuent, moi je dis pas non. Hein. Continue de former de l'archer en masse là. J'essaie de massacrer tous les scorpions. Attention. Voilà, vous sortez. On va envoyer les autres gugus là. Allez, venez.
Non. Oh, ça va, on a du chaud. Yo. C'est le bordel ici, mes amis. Il va falloir faire un pack au sol. C'est bien, la plupart des cataphractes là. On va reculer au second niveau. Oh oui, la cave légère s'occuper de ces zones-là et de l'équipe aussi. Oh ouais, vraiment. C'était un beau bordel. Hein. Et il y a toute une armée de moines là-bas, tu sais pas pourquoi. On a localisé les trois reliques, c'est sérieux ça? Bon, au moins on aurait un petit peu d'animation Constantinople, ça c'est cool. Impero sane. Ein. Ago. Sane. Presto. Salve. Ein. Mon transport là, viens là toi. C'est ça le camp militaire. Sane. Ça ressemble hein. Presto. Nous avons sécurisé le camp. Mais les Turcs sont partout. Recrutez des hommes pour défendre ce point et nous continuerons à chercher des survivants. Ok. Ok, on est en train de réussir quelque chose là. Impero. Salve. Bon, on a le camp, c'est pas mal. Bon, on a pas mal d'argent. Là, il y a de quoi faire. Alors, je vais tenter un coup là. Voilà. Je vais tenter d'aller choper Zakas là comme ça. Il est pas loin. Si je peux récupérer un objectif bonus comme ça, moi je prends. Hein. Bien joué. Zakas ne nous dérangera plus. Les prétendus rebelles qui l'auraient soutenu battent maintenant en retraite. Ok. Bon, je vais reculer. Les former. D'autres légionnaires impériaux, j'aurai besoin d'eux. Mes prêtres là. Il y a deux reliques à les sauver.
Ok. Ein Ago. Oh, avec la poste. Lui est mort. J'ai juste envoyé mes archives de cave par là, par curiosité. Il y a un autre lancier des steppes dans le coin. Voilà. Les Turcs païens, ils ont mené nos armées ici et les ont massacrées. Ils paieront pour ce crime. Voilà. Voilà, bien joué. Presto. Et tu t'envoyais mes troupes là, mes légionnaires, ils vont s'occuper de ça. Et attends, il va se me croiser là. J'y pense. Vous pouvez pas finir de récupérer la vie pour nous, s'il vous plaît, merci. Ein Comita. Impero. Ein Porro. Pugno. Impero Porro. Ago. Oh putain. Bon, on va chercher le château, y a pas de soucis, faut aller le dire tout de suite. Pugno. Porro. Ah, ils ont même une tour fortifiée. Ok. Voilà le château, il devrait vite prendre cher, logiquement, avec tout ce qu'on est en train de mettre dessus. Impero. Pugno. Ein Comita. En vrai, là, il faut qu'on... Smyrne est libéré, ça c'est une bonne nouvelle. Vous allez aller aider les autres. Hein. Les croisés, vous allez venir en renfort. Là, le bélier est pour faire son fou. Vite, allez me chercher cette tour là. Donc là, on a tout le camp des. Ein. Des autres là. Ein. Ein. Ils sont où mes potes? Ok, ils sont là. On va vite récupérer les reliques. On va essayer de les amener rapidement. Presto. Ok, on va s'occuper des pots, comme ça on sera peinard. Je vais continuer de faire encore
Des hussards, je vais déterminer les moines là-bas. Voilà, logiquement, ça commence à être bon. Toi, viens là. Deuxième moine ici. Et le dernier, il va aller me chercher cette relique-là, si c'est possible. Là, on est en train de raser les turcs jusqu'au dernier. Là, on leur rend la monnaie de leur pièce parce qu'ils ont fait notre vaillante armée ici. Ok, on va retourner là-bas. Je suis à 10 hussards là. Parfait. On va revenir là. Je vais juste soigner mes hommes. Mais putnaise, pourquoi j'ai un... Pourquoi mon prêtre il est débile? Je lui ai dit d'aller dans le navire. En plus. Bon ben, on va faire un autre prêtre encore. Je suis entouré d'un cap. Vraiment. Presto. Sane. Ein. Scandale. Un prédicateur hérétique arpente la campagne pour y proférer des blasphèmes. Vous perdez 10 points de légitimité. Bon, on va continuer d'avancer avec nos forces ici. Une tour encore là-bas, attention. Oui, les cavaliers croisés s'occuper de ça rapidement. Oh, joli. Oh, ça fait mal ça, les archers génois, ils sont pas nombreux. Ein. Là en gros on a le combo ultime là. On va commencer à avancer. Oula. Oula là, attention. Ah il y a un autre canture, je me disais bien. Ok. Salve, correct. Le Seigneur apprécie votre règne, Alexis. Votre piété attire les croisés des royaumes occidentaux. Les Turcs bon, se replient dans les montagnes. Nous nous sommes vengés de la défaite subie à Manzikert. Empereur Alexis, je dois admettre que j'éprouvais des doutes à votre égard. Mais vous avez su prouver que vous étiez un chef sage et capable. Vous avez écrasé nos ennemis et restauré notre grandeur. Eh ben voilà. Ça, c'était un bon scénario. J'ai bien aimé. Franchement, magnifique. L'Empire romain semblait avoir rendu son dernier souffle, dévasté par les Turcs et les Normands. Mais dans ce contexte obscur, le fils le plus brillant de Rome se leva et amorça une nouvelle ère pour l'Empire.
Après avoir renversé l'inefficace Nicéphore, Alexis entama une série de réformes et de conquêtes qui rendirent à l'Empire sa grandeur. Au cours d'un règne de 37 ans, il se classa parmi les plus grands dirigeants de l'Empire. Sans Alexis Ier Komnen, l'Empire n'aurait pas survécu. Tu m'étonnes. Bah, il a fait le boulot, le Alexis. Alors, je vais juste regarder la map vite fait, qu'est-ce qu'il nous restait. Bon, on aurait pu aller s'occuper des Fatimides, d'un moment, il ne nous restait plus que ça à faire. Il y avait encore une ville ici. Hein. Oh, ils avaient des cataphractes soldés en plus. Peut-être qu'on aurait pu. Je sais pas, c'est quand on aurait obtenu ces cataphractes comme ça, je suis pas sûr. Il nous restait encore une ville ici, ça devait être peut-être Tyr ou. Non, Tyr c'est trop loin. Antioche peut-être. Moi ça sera Antioche, ouais. Il aurait resté Antioche, Tripoli ici, vers Jérusalem. Et une autre ville au fond, peut-être Damas ou Edesse. Et là, mes navires croisés se faisaient interceptés. Ouais, non, c'était cool le scénario. Je suis plutôt content. On a eu le succès en plus. Bah, du coup, moi, mes amis, je vais m'arrêter là. Et je vais vous dire à demain. On continuera la suite du prochain scénario. Je crois que c'est celui avec Étienne de Blois, avec les Anglais. Il y aura un succès à faire aussi. Je vous dis une bonne soirée, une bonne nuit. Ciao, ciao.